Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, on vous revient pour un petit haul action et ensuite donc suivra un haul nose. Donc là, attendez, je recadre un peu. Nous allons faire le haul donc action où il n'y a pas 50 000 choses. Alors c'est il y a celui de Mazamet et celui de Castres. Parce qu'on a fait les deux en même temps. Vu que c'était sur le chemin du retour, on est vite fait passé à Castres. Donc ça, celui-ci, c'était à Mazamet qu'on les a trouvés. Ce sont des boîtes. Alors ça, je ne peux pas te le faire porter, mon cœur. Donc des boîtes. Alors attention, je te passe devant. Des boîtes comme ceci. Voilà. Donc je ne sais pas combien ils disaient qu'il y a deux compartiments. 22. Donc c'est Hercule Flexi Organizer. Donc c'est, je peux vous dire les dimensions, c'est du 590 par 390 par 100 mm. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour pouvoir ranger les décos de Noël, que ça fasse un petit peu plus propre. J'ai dit mettre les boules, les guirlandes électriques ou même les guirlandes tout court, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas mal du tout. Du coup, j'en ai pris deux, donc un gris. Et un de cette couleur-là. Et ceci, alors est-ce que je vais avoir le ticket? Ça, c'est le verdict. Parce que quand je suis avec mon mari, des fois il me prend les tickets et je ne les ai plus. Alors là, j'en ai un. Est-ce que ça va être le bon? Est-ce que ça va être le bon? Si. 4,93 € donc la boîte. Et c'était la première fois que je les voyais. Je n'avais jamais fait attention jusque-là. Donc bon. Tant mieux, j'y suis tombée dessus. Si je viens à en retrouver, pourquoi pas en reprendre une ou deux boîtes. Parce que c'est vrai qu'elles ont l'air très très bien. Là, j'attendais pour pouvoir ranger toutes les décos de Noël qui sont dans un bac. C'est en vrac. Voilà, ça m'insupporte de le voir comme ça. Donc bon, bref. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Voilà, c'est pour Emma. Bonbon. Oui, c'est pour ramasser les bonbons le jour d'Halloween. Tonton. Tonton. On va les faire raquer, tonton. Donc oui, ce sont les princesses. Alors, il y avait deux versions. Il y a la version citrouille, toute simple. Et il y avait cette version-là, donc avec les princesses. Donc, bien sûr, j'ai pris avec les princesses. Bonbon. Oui, j'ai payé ceci 99 centimes. Donc, j'ai dit pour Halloween, c'est très bien. Mais d'ailleurs, c'est au rayon Halloween. Ensuite, j'ai pris un petit... Alors, ça, voilà, ce sont des mouchoirs, un petit paquet de mouchoirs. Il y en a 100, je pense, dedans. C'est de la marque Kleenex. J'ai payé ceci 99 centimes, voilà, c'était Elsa, voilà, c'est la reine des neiges. On en avait. C'est Guess qui fait les siennes. On en avait acheté, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, les mignons. Voyons, non, c'était les pets. Et du coup, voilà, il fallait en racheter, donc 99 centimes. Ensuite, entamé bien évidemment. Ce sont des boîtes de Kinder, les simples, vous savez, là où les. Il y en a 24 dedans et ceci, on les paye 2,99 €, il me semble. Je regarde, je regarde. Ouais, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ouais, c'était 2,99 €. Alors ça devait être sur l'autre et l'autre, je ne sais pas si j'ai le ticket. Non, bon, bon ouais. 2,99 € il me semble bien. Ensuite, j'ai repris des enveloppes comme ceci, bulle là, par 5. 2, 4, 5, oui, c'est ça. C'est les grands formats, il me semble. C'est les 200 par 275. Il me semble ouais, que c'est les grands formats. Voilà. Et ceci, j'ai payé 99 centimes. Ça aussi, me semble. Parce que... Non, arrête de dire ceci pour rien. Ensuite. Alors, je me suis trouvé. Des chaussons. Ils sont trop beaux. Regardez, 2,99 €. Mais ce sont des chaussons, mon cœur.
Vous avez différentes variantes, mais voilà, moi j'ai préféré ceux-là, un peu léopard et ce sont des chats. Donc, okay. Oh. Ensuite, A169. Oh. Oh. Heureusement que je ne les ai pas encore mis. Parce qu'elle se met ça sur le visage. Donc je disais à 1,69€ ma coloration comme d'habitude, je prends celle-ci, donc de la marque Rubella. C'est là. Est-ce qu'il y a le numéro? Ouais, 7,5, je pense que c'est là. C'est acajou. Voilà. Elle est très bien. Je suis contente. Donc c'est vraiment là-bas que c'est le moins cher. Donc je n'hésite pas en principe. Nice. Ensuite, nous avons pris des sacs poubelles. Voilà, en 100 litres, c'est des XL. Ils sont par 10 de la marque Dumil. Et ceci, est-ce que je vais l'avoir? Je ne pense pas. C'était 1€, je pense. Ah, mais attendez, si, je pense que j'ai l'étiquette. Ouais, 99 centimes. Voilà, les Ferrero c'était 2,99€, enfin les Kinder c'était 2,99€, c'est ça, et les enveloppes c'était 99€. Eh, je me débrouille pas si mal que ça, hein. Bon. Ensuite, c'est vrai qu'on n'avait pas. Ça, c'est pratique quand vous voulez goûter quelque chose ou des frites sortant de la friteuse. Donc, nous avons acheté, comment il l'appelle ? Écumoire, ouais, c'est ça. Et ceci, l'écumoire. L'écumoire, on l'a payé 1,49€. Donc franchement, en inox, pourquoi s'en priver? Ensuite, il nous reste deux choses. Tout d'abord, voilà. Une brosse à dents de la marque Colgate. La zigzag. Elle est sympa, c'est mon mari qui l'a choisie. Parce que la sienne commence à... Anna, Kitty. Et oui, elle a les Hello Kitty, bien évidemment. Et donc, celle-ci, on l'a payée 79 centimes. Donc, vous voyez, on la voit, elle est bien zigzag d'ailleurs. Voilà, voilà. Et pour finir, parce que le trépied avec lequel je filme est en train de se faire la malle, j'en ai trouvé un sous le conseil de Céline, de la chaîne Céline Nègre d'ailleurs. Je te fais plein de bisous. Elle m'a dit, ah, mais moi j'ai celui de Action, il est très bien. C'est vrai que l'autre fois on a fait le live avec, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Donc j'ai dit, je vais le tester. Et ceci, alors attendez que je regarde. Je l'ai payé 2,49€. Voilà, il se présente comme ceci. Donc de la marque Label 31, c'est le tripode donc. Et en fait, vous voyez, les pieds peuvent se tordre. Maman. Alors certes, il sera moins haut que celui que j'ai. Mais bon, en fait, voilà, je vais m'arranger. Et oui, il y a le chat derrière. Oui. Je ne sais pas si vous allez le voir. Pousse un peu. Voilà, on voit le chat. Donc voilà, à tester, à voir. Bon, je pense que ça va être pas mal. Mais écoutez, ce haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à aller voir ma page de création, donc Omil Création d'Emma sur Facebook. N'hésitez pas à venir me parler sur Facebook, pépette. Sur Insta. Pépette. Oui, la pépette, oui. Par email ou même par carte. C'est avec plaisir que je répondrai. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.